D'abord, je voudrais exprimer ma grande fierté d'appartenir à la Fondation Mohamed Sadis des sportifs et des champions. Une fondation qui a compris son rôle, qui a tendu la main à toutes ces gloires et ces stars et ces maestros qui ont tellement donné au sport national et qui souvent tombent dans l'oubli et qui vivent dans la précarité, dans la marginalisation, dans l'exclusion. La Fondation Mohamed Sadis, aujourd'hui, est là pour accompagner toutes ces gloires qui ont tellement donné à leur pays, qui ont hissé le drapeau marocain dans tous les forums planétaires, pour les accompagner dans leur parfois vie pénible, en termes professionnels, en termes médicaux, en termes familiaux. On a vu aujourd'hui la vidéo lancée par notre président, c'est Monsef Belriat, toutes les réalisations qui ont été accomplies à ce jour et qui relatent l'ensemble des prises en charge, des formations à tous les niveaux, à l'endroit de tous ceux qui ont donné à ce pays. La présence parmi nous aujourd'hui de certains bénéficiaires prouve tout ce qui a été fait depuis 9 ans pour rattraper tout ce temps perdu durant toutes ces décennies où rien n'a été fait pour ces champions qui ont été, je dirais pas délaissés, mais faute de peut-être de connaissances, faute de prise de conscience. Une fois leur cursus terminé, ils savent pas comment faire. Alors de la star qu'ils étaient, ils retombent dans le vide total. Et il n'y a pas ce pont entre certaines fédérations, entre certains clubs, ceux qui gouvernent le sport pour une réelle prise en charge de toutes ces gloires. Parce que ce n'est pas facile de vivre dans le faste, je dirais, ou dans la gloire, ou dans les victoires, et tout d'un coup tomber dans l'anonymat total. Donc c'est ce rôle-là que joue aujourd'hui la Fondation Mohamed Sadis.